Très bien. Donc, on va donc faire le corrigé de la série numéro 4, donc portant sur les liaisons chimiques. Donc, déjà, le premier exercice, donc ça concerne la représentation de Lewis. Pas uniquement la représentation de Lewis. Donc, on doit maîtriser donc comment établir une structure de Lewis. Donc, utiliser la méthode VSEPR. D'accord? Donc, déterminer la géométrie et donner l'état d'hybridation de l'atome central. Donc, j'ai donné certaines molécules. Donc, avant d'aller aux molécules, leur structure de Lewis, il faut savoir comment établir la représentation de Lewis pour un atome quand il est seul, parce que c'est important. Donc, déjà, on commence par exemple par le phosphore. Donc, que vous voyez ici. Donc, le phosphore qui a 15 électrons. Donc, phosphore qui a 15 électrons. Donc, avec ces 15 électrons, on va donner sa configuration électronique déjà. Donc, NS2, 2S2, 2P6, 3S2 et 3P3. D'accord? On fait ressortir la couche de valence ou la couche externe. Et puis, dans cette couche externe, on va la représenter sous forme de case quantique, comme ça. D'accord? Case quantique. Donc, la 3S et la 3P. Donc, ici, vous voyez, il y a deux électrons. Et ici, vous avez donc trois électrons. Donc, pour représenter la structure ou représentation de Lewis de chaque atome, de cet atome plutôt, ça sera P. D'accord? Il a un doublet ici, donc ça sera ça. Et puis, trois électrons célibataires, comme ça. D'accord? Après, vous allez bien sûr pouvoir déduire les autres à partir toujours de la couche externe ou la couche de valence. Par exemple, le carbone, il est comme ça. D'accord? Vous avez l'oxygène qui est comme ça. D'accord? Oxygène qui est comme ça. D'accord? Et puis après, vous allez voir que quand on a des atomes qui sont dans le même groupe ou la même colonne, d'accord? Ils vont avoir la même couche de valence, même couche externe, et donc ils vont avoir la même représentation de Lewis. Par exemple, l'azote, l'HO dans le même groupe que le phosphore, il va avoir la même représentation de Lewis. D'accord? Le soufre qui est dans le même groupe que l'oxygène, il va avoir aussi la même représentation des Lewis. Les halogènes comme le brome, l'iode, chlore, donc ils ont également la même représentation de Lewis. D'accord? Donc parce que tout simplement, ils ont la même configuration externe. Donc, pour faire la représentation de Lewis, donc on a rappelé ici quelques points importants qui vont nous faciliter peut-être un peu les choses. Donc déjà, on a compris qu'il faut établir la configuration électronique pour chaque atome, déterminer la couche de valence. C'est important parce que sinon, on ne peut pas aller plus loin. Et puis, il faut savoir que tout se fait autour de l'atome central, c'est-à-dire que l'atome central, et puis je fais les liaisons vers les atomes latéraux autour. D'accord? Alors, l'atome central, c'est lequel quand j'ai une molécule? Alors, généralement, c'est le moins électronégatif. D'accord? Parfois, vous trouvez dans certains livres, d'accord? Il y a l'atome central, mais si c'est P, par exemple, il y a d'accord, pour dire que c'est l'atome central, un peu pour aider, c'est tout. D'accord, mais généralement, c'est l'atome le plus électronégatif. Quand ce n'est pas évident, d'accord, quand ce n'est pas évident, donc, il faut s'assurer que l'atome central, l'IOX, d'accord, il faut s'assurer qu'il va former des liaisons avec tous les atomes hein, latéraux, tous les autres atomes. C'est-à-dire, il faut éviter de faire des structures comme ça, des chaînes X, Y, Z, O et ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut éviter de faire
comme ça, des structures comme ça sous forme d'une chaîne. Donc, il faut avoir l'atome central, d'accord? Et puis, il faut s'arranger pour que l'atome central forme des liaisons avec tous les atomes latéraux, sauf quand on a une liaison OH, d'accord? Quand on a des hydrogènes, ben, j'ai des liaisons OH. Quand on a des hydrogènes, ça veut dire que l'hydrogène, il est lié forcément à l'oxygène, d'accord? Donc là, c'est la seule exception. C'est-à-dire l'oxygène, l'hydrogène, il couche lié à l'atome central. Il coule lié à l'oxygène. Oui, avec l'oxygène ou à l'atome central, donc il sera lié à l'oxygène, d'accord? Maintenant, il faut savoir que l'atome central, parfois, à l'état fondamental terreau, ne peut pas former les liaisons que demande la molécule heavy. C'est-à-dire, on sait beau, par exemple, un atome central a trois électrons célibataires ou a cinq atomes latéraux. Donc, on déduit que l'atome central, il va réarranger sa structure, il a la structure terreau. Donc, il y aura un passage vers un état excité, il forme les liaisons avec tous les atomes latéraux. Maintenant, pour les atomes latéraux, ils forment des liaisons, qui m'a rannakatbinou la remarque numéro 4, les atomes latéraux utilisent uniquement les électrons célibataires pour former des liaisons avec l'atome central. Donc, les atomes latéraux, généralement, mais ils adlouchent leur structure, d'accord? Par contre, l'atome central, lui, il va réarranger sa structure. Ou je vais réarranger sa structure, yani, il va y avoir un passage vers un état excité. D'accord, un passage vers un état excité. Par exemple, il connaît qui m'a dit tout à l'heure, il connaît trois électrons célibataires et puis on trouve mathalène qu'il y a cinq atomes latéraux. Donc il lui faut avoir cinq électrons célibataires, mais chaque il forme les liaisons avec tous les atomes. Je vais calculer D, d'accord, le nombre de doublés électroniques. Qui colle doublé électronique, wesh naqsad des doublés liants et des doublés non liants, d'accord. Il a chfitou fil cours qu'on a habayna à titre d'exemple cette molécule là, d'accord. Alors hada c'est un doublé liant ou hadouma c'est des doublés non liants. D hada représente pour la molécule majmou les doublés liants et les doublés non liants. Kifach nahseb D? Nahseb d'abord le nombre d'électrons, l'ensemble des électrons de valence, l'ensemble des électrons de valence, c'est-à-dire نجمع كامل les électrons de valence في هذه la molécule, c'est-à-dire par exemple quand j'ai par exemple je prends H3O+, je prends un H3, attends, ma روحوش لهذه la molécule, je prends un H3, d'accord, كي نجي نحسب le nombre de doublés, l'azote, l'azote a 7 électrons, donc NS2, 2S2, 2P3, d'accord. La couche de valence terre, l'azote a 5 électrons. Ou l'hydrogène, c'est NS1, a un seul électron. Bech n'hsib NE, d'accord, n'jma kam les électrons de valence. Donc, wesh n'jma? N'jma 1 fois 3, alèche, parce que chaque hydrogène a un électron de bon vite lève, on zid l'hom, khamsa, d'accord, ta l'azote. Donc, n'ijma eux collent les électrons de valence, les kayin fla molécule had, yani ta chaque atome dirahoum d'achlin fait la molécule had, d'accord. Donc, ici, on va voir que, on va voir 1 fois 3. Donc, 1 fois 3. Ça me fait 1 fois 3, ça fait 3, 3 fois 5, ça fait 8. Donc, ça, on va trouver 8. NE est égal à 8. Pour trouver le nombre de doublés, avec un NE pair, on va le directement sur 2, c'est le nombre de doublés, ou avec un NE impair, on va le 1 ou on va le 2. Qui m'a dit, par exemple, la molécule NH3, on dit NE est égal à 8, donc c'est un chiffre pair, on va le 2, donc normalement, je trouve 4 doublés. Et c'est pour ça que la molécule NH3, elle est comme ça, d'accord? Vous voyez bien qu'il y a 4 doublés, 1 doublé non liant et 3 doublés liants, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que la molécule chargée? Donc, elle va avoir une charge semi-à Z, avec Z having con positif dans le cas des cations et négatif dans le cas des anions. D'accord? Nous avons le cas H3O+,
Donc, l'oxygène a 8 électrons. Donc, NS2, 2S2, 2P4. Fla, couche de valence, l'oxygène a 6 électrons. Donc, H3O+, واش ندير? Dir 1 fois 3, parce que 3 électrons à l'hydrogène, plus 6, moins 1. Hein? Parce que H3O+, une charge positive, donc نعود بZ موجب هنا. D'accord? نعود بZ موجب. Donc, on va avoir 1 fois 3. D'accord? 1 fois 3, donc on va avoir 9. 9 moins 1, donc on va avoir 8. 8 ici, donc NE est égal à 8. Et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, on va avoir 4 doublés comme on l'a vu tout à l'heure. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va compléter le schéma de Lewis par les charges formelles. Les charges formelles, on ne va pas les voir tout de suite. Moi, je préfère les voir avec des exemples pour mieux comprendre le concept des charges formelles. Nous allons la molécule de BF3, la première molécule. Ici, bien sûr, le bord, c'est l'atome central. C'est l'atome le moins électronégatif. D'accord? C'est l'atome le moins électronégatif. Donc, B, normalement, B, il a 5 électrons. Donc, NS2, 2S2, 2P1. Donc, la couche externe, c'est celle-là. Donc, c'est la 2S, 2P, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, 2S fait à 2 électrons. Alors, vous voyez que le bord comme ça, mais il forme 3 liaisons parce que le fluor, il est comme ça. Les atomes latéraux, qui m'a dit tout à l'heure, ils vont former des liaisons uniquement avec leur électron célibataire. Donc, je vois qu'ici, BF3, qui m'a rahou le bord, mais il forme 3 liaisons. Donc, il va y avoir passage vers un état excité qui m'a rahou. D'accord? Donc, voilà, B étoile, c'est un état excité. D'accord? Donc, comment va être la molécule? La molécule va être comme ça, pardon. Donc, on va avoir le bord. Hein? Je vais le mettre à ce niveau-là. Le bord, donc, il y a 3 électrons qui m'a rahou tout à l'heure. 1, 2 et 3. D'accord? Et puis, chaque fluor a un électron célibataire. Les rahouanans, le voilà. Et donc, on va avoir ces liaisons. Ce que vous voyez ici, c'est une case vide. Naitolha une case vide. Ou la naitolha aussi une case vacante. C'est celle-là. Les marifia hata électrons. Donc, c'est une case vide. D'accord? Maintenant, nous pouvons nous le nombre de doublés. Donc, quoi je vous dis? On dit le fluor, il y a 7, d'accord? 7 électronettes, ou il y a 3 électrons. Donc, il y a NE, on dit 7 fois 3, parce qu'on a 3 fluor, d'accord? Plus 3, d'accord? Ça fait 21 plus 3, 24. 24, c'est un chiffre pair. Ça me donne 12. Donc, normalement, je dois avoir une structure qui a 12 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il y a bel et bien 12 doublés. Donc, voilà, ça, c'est la structure de Lewis. J, la méthode VSEPR, l'étatanie, la géométrie. D'accord? La méthode VSEPR, rappelez-vous qu'il faut... Elle est le type moléculaire. Le type moléculaire. D'accord? Le type moléculaire, donc c'est AXENEM. D'accord? X représente le nombre de doublés liants. Hadouma, c'est les doublés liants. Et E représente les doublés non liants. D'accord? Bien sûr, le type moléculaire termine par l'atome central. D'accord? Ou la géométrie termine par l'atome central. D'accord? Donc, le type moléculaire ici pour le bord, Andy 1, 2, 3, donc AX3, il n'y a pas de doublé non liant, donc elle la partie Mekesh. D'accord? Maintenant, comment déterminer la géométrie? Donc, c'est un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral avec des angles de 120 degrés, c'est-à-dire c'est 120 degrés, 120 degrés et 120 degrés et la molécule, elle est plane. D'accord?
Le type d'hybride sort de la tombe centrale, c'est SP2. Donc, là, je vais m'arrêter pour faire un petit rappel. Donc, je vous emmène vers le tableau que j'ai donné donc, ici, vers la fin de la série, celui-là. Donc, je voudrais vous dire que dans le cours, j'ai donné un tableau qui ressemble un petit peu à celui-là, qui est plus compliqué. Donc, j'ai essayé de vous donner ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, Anna, Krejli, le type AX2, d'accord? Donc, géométrie linéaire, d'accord? AXE, géométrie linéaire. Hybridation, SP, d'accord? Vous voyez? Quiconque AX2, donc AX2, SP, d'accord? Donc, AX2 fait deux situations. Vous vous rappelez dans le cours qu'on a P, P est N plus M. Ninja N ou M, je vous rappelle qu'il s'agit de la méthode VSEP. AXN, EM. D'accord? N plus M, P. Donc, il est qu'un P est égal à 2, c'est SP2. D'accord? Il est qu'un P qui maintenant est égal à 3, c'est SP2. Pardon, c'est SP, pardon. Il est qu'un P est égal à 4, c'est SP3. D'accord? Ce que vous voyez ici, regardez. Il est qu'un P est égal à 5, c'est SP3D. D'accord? Ou il est qu'un P est égal à 6, c'est SP3D2. C'est comme ça qu'on reconnaît l'hybridation de l'atome central. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Type moléculaire de l'atome central. D'accord? Hybridation de l'atome central. Donc, tout ce qui est lié à l'atome central. Et vous voyez ici, P, quand P est égal à 2, yani N plus M est égal à 2, on dit deux situations. Soit c'est AX2, soit c'est AXE. Qui maintenant, regardez, AX3, qui compte N plus M est égal à 3, soit AX2E. Voyez, N est égal à 2, ou on a 1, 3, ou là, AXE2. D'accord? Alors, maintenant, pour chaque type moléculaire, on dit une géométrie. Tout mal à la géométrie, vous retenez celle-là. Donc, AX2 linéaire, AXE linéaire, AX3 triangle équilatéral, AX2E en V ou la coudé, AXE2 linéaire, AX4 tétraèdre, AX3E pyramide déformée, AX2 en V coudé, etc. C'est ça ce que je voudrais, ce qui est en rouge, c'est ça la géométrie. D'accord? Maintenant, l'hybridation est bas P. Est bas P, yani N plus M. Si P est égal à 2, l'hybridation c'est SP. Si P est égal à 3, c'est SP2. Si P est égal à 4, c'est SP3. D'accord? Donc, vous voyez que les deux types moléculaires ont le même état d'hybridation de l'atome central. Les trois types moléculaires ont le même état d'hybridation de l'atome central. D'accord? Et voilà, je vous ai donné ici quelques exemples. Vous pouvez vous entraîner à les faire en plus de ce qu'on a fait. D'accord? Je reviens maintenant à l'exemple qu'on est en train de faire, donc BF3. Donc, c'est vrai qu'il y en a dans le tableau, on n'y a pas les angles et tout, avec d'autres précisions. Mais vous pouvez vous contenter de ce que j'ai donné dans le tableau. C'est-à-dire, vous me donnez la géométrie. Donc, qui maintenant, Aoud Narja? Donc, BF3, c'est triangle équilatéral. C'est tout. Triangle équilatéral. Hein? Type P est égal à 3, donc hybridation de l'atome central SP2. NG maintenant, le COF2. Le carbone, donc 6 électrons. Normalement, on a les configurations à la couteau à forme. Donc, le carbone avec 6 électrons, donc NS2, 2S2, 2P2, donc voilà, donc 2S2P, ce que vous voyez ici. Le fluor qu'on a chiffré tout à l'heure, ou l'oxygène avec ses 8 électrons, donc NS2, 2S2, 2P4, voilà. Donc 2S, 4, 1, 2, 3, 4. Et pour le fluor, on va le faire aussi, pourquoi pas. C'est NS2, 2S2, 2P4. 3. Voilà.
D'accord, pardon, de P5. Donc, vous voyez 2 et 5 ici. Donc, ici, si on se fie à la représentation électronique, donc le carbone, normalement, là, il y a ce qui n'est pas possible, on va le voir tout à l'heure. Le fluor, il est comme ça, qui m'a fait là tout à l'heure, et l'oxygène, il sera comme ça. D'accord? Sauf que le carbone, il n'est pas divalent. Divalent, il ne forme pas de liaison. Le carbone, il est dans toutes les molécules organiques tétravalent. Donc, le carbone, dans toutes les molécules, il va y avoir un passage vers un état excité et donc il va avoir 4 électrons célibataires. Donc, au fait, on ne va pas représenter ça comme ça. Donc, carbone, on va le mettre étoile. On va faire ça. On va faire ça. D'accord? Et donc, il va y avoir un électron célibataire partout. D'accord? Donc, COF2, donc, comment on va la représenter? Donc, elle est là. Donc, autour de l'atome central, ici, le carbone, c'est le moins électronégatif, c'est notre atome central, je le mets au milieu. Double liaison avec l'oxygène, liaison simple, les atomes latéraux, ils forment des liaisons uniquement avec leur électron célibataire. Et l'atome central, هو اللي يعدل sa structure. نجيو نتحقوا نحسبوا Ne, d'accord? Donc déjà le fluor, il y en a deux. Chaque fluor, on a vu tout à l'heure, عنده chaque fluor. Et voilà. Donc on va calculer ici, attendez. Donc on va calculer chaque fluor عنده combien? عنده 7. Donc 7 fois 2, l'oxygène il en a 1, 2, 3, 4, 5, il en a 6, d'accord? Et le carbone, lui, il en a 4, d'accord? COF2, d'accord? Chal, ça va faire 7 fois 2, ça fait 14. 14 plus 6 plus 4, donc c'est 10. 14 plus 10, ça fait 24. Donc, c'est un chiffre pair. Ça me fait 12. Donc, on va avoir 12 doublés. On vérifie sur la structure s'il y a 12 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Dis le type moléculaire. Toujours, on réchauffe l'atome central. Alors, je vous rappelle qu'il y a une double liaison qui mène ou la triple liaison, on va faire une seule. S'il y a double, c'est une double liaison, ou triple liaison, donc finalement, il y a 1, 2, 3, donc c'est AX3. Comme tout à l'heure, géométrie, c'est triangle équilatéral, d'accord? Et l'hybridation, c'est SP2, d'accord? SO3 de moins, d'accord? Pour le soufre, le soufre, il a 16 électrons. Le soufre, il a le même groupe que l'oxygène. Donc, il va avoir la même configuration externe et donc la même représentation de Lewis. L'oxygène, il est comme ça. Et le soufre, il est comme ça. Il lui ressemble. D'accord? Alors, la molécule est chargée. SO3 de moins. Donc, il y a deux charges. Où je mets un de moins, ça veut dire Vafnel Home. زوج إلكترونات. لو كان جات بالبلوس فبدير نحينا لهم زوج إلكترونات. داكور؟ دونك إيسي لمن أون فا دوني لي دوز إلكترون. داكور؟ أون فا لي دوني أ لوكسيجين. دايما لي إلكترون كي نضيفوهم جينيرالمون نضيفوهم نمدوهم لاتوم لو بلوز إلكترون نيجاتيف. داكور؟ ألوغ إيسي لاتوم لو موان إلكترون نيجاتيف سي لو سوفر باسكو رابليفو أوكسيجين سوفر. Ils sont dans la même colonne où l'électronégativité de Zidhak, d'accord, qui n'est là dans un groupe ou dans une colonne. Donc, le soufre, c'est le moins électronégatif, c'est l'atome central, d'accord. Sauf que, on dit SO3, d'accord, le soufre, le canirod, à l'hal, on a deux électrons célibataires. Il ne peut pas former les liaisons avec 3 atomes d'oxygène. C'est impossible. Donc déjà, le soufre Oshidé, il va y avoir un passage vers un état excité. Donc Oshidé, il va y avoir un électron maintenant, d'accord, vers l'orbital des Lirahijaya al-Fouk. Donc il va y avoir un électron maintenant, ou Ijibo, un an. D'accord? Bien sûr, vous allez vous poser la question, ou trouver un état excité,
طلعوا لي زيليكترون اللي يكفيكم بور فورمي لي ليزون بور enfin des électrons suffisants pour que vous puissiez former votre molécule. D'accord? Donc, on va voir cet état excité. Vous voyez S avec étoile, طلع un électron, donc un hnaya. D'accord? Et puis les autres électrons, on va former les oxygènes. D'accord? Maintenant, la molécule, elle est comme ça. D'accord? Donc, واش درت? Regardez, نعاود نشوف la configuration externe. D'accord? Vous voyez qu'on dit 1, 2, 3, 4. Donc, finalement, la structure, tu as le soufre, tu as le S, tu as le ou deux électrons. C'est ce que me donne cette structure. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais former double liaison avec l'oxygène ici. L'oxygène, il est comme ça. Hein? D'accord? Ou là, vous pouvez le représenter comme ça. D'accord? C'est comme vous voulez. Maintenant, il y a deux oxygènes. D'accord? Donc, les deux oxygènes. Regardez cette molécule. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a SO3 2 moins. Donc, on va mettre deux électrons. D'accord? On va mettre deux électrons. On va mettre l'oxygène parce que c'est le plus électronégatif. Donc, l'oxygène, il est comme ça. Donc, on a trois oxygènes. Il a formé double liaison avec le soufre. Ou il y a deux autres oxygènes. Le كل واحد فيهم, d'accord, راني حنضيف un électron. Donc نضيف له un électron, هايليك نزيد له هنا un électron, يبقى له واحد. D'accord? Donc راح يولي عنده trois doublés. D'accord? حيولي عنده trois doublés ويبقى له واحد. L'autre ثاني راح يضيف له il y a trois doublés, il y a un. Donc, il va former les liaisons. Maintenant, nous allons les charges formelles. D'accord? Nous allons les charges formelles. Parce que c'est ce qui fait que nous avons une charge négative. Qui nous la charge formelle? Attendez, nous allons faire. Voilà. Voilà comment calculer la charge formelle. Déjà, il faut comprendre que la charge formelle nous pour chaque atome. C'est-à-dire, on a la charge formelle de la molécule, on a la charge formelle de chaque atome. La charge formelle, c'est une charge fictive, une charge imaginaire. D'accord? Donc, pour chaque atome, on a la charge les électrons de valence. On a les doublés liants, moins deux fois les doublés non liants. On va s'exercer. D'accord? On a par exemple les nains. Le soufre. Le soufre. Le soufre, شحال عنده من l'électron de valence. D'accord? نجينا هنا نحسب pour le soufre. شحال عنده من l'électron de valence. شوفوا هنا. D'accord? شحال عنده 1 2 3 4 5 6 عنده 6 électrons de valence. D'accord? نجينا هنايا. شحال راهو داير من liaison. شحال راهو داير؟ شحال داير من doublé liant. 1 2 3. D'accord? 3, 4. D'accord? 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Donc, moins 4. شحال عنده من doublé non liant? عنده 1. Donc, moins 2 fois 1. D'accord? تولي 6 moins 6, تولي 0. Donc, هنا ما حطيت aucune charge parce que la charge formelle تاعو elle est 0. نجي لهذا l'oxygène. Vous voyez? L'oxygène هذا. L'oxygène, شحال عنده من الالكترون célibataire. عنده 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? عنده 6 كيما السفخ بالذات. جايين في لو ميم جروب. شحال كاين من لي دوبلي ليون؟ 1, 2. D'accord? شحال كاين من دوبلي نون ليون؟ 2. Donc, moins 2 fois 2. D'accord? Ça me fait 6 moins, ça fait 0. Donc, هذا ثاني لا شارج تاعو 0. نجي لهذا. D'accord? L'oxygène هذا. Ou là, l'oxygène, c'est la même situation. Donc, pour ces oxygènes-là, tu as 17 électrons de valence. Doublé lion, il y a 1. Il y a un doublé non lion, 3. Il y a 2 fois 3. D'accord? Moins 2 fois 3 moins 1, ça fait moins 7. Moins 7 plus 6, ça fait moins 1. Donc, vous voyez que l'oxygène, il y a une charge moins. Ou c'est ce qu'il faut. D'accord? C'est ce qu'il faut. O, 6. Un doublé moins 1,
moins 2 fois 3 et ça fait moins 100. D'accord? Vous voyez comment on complète. D'accord? Mais si on a la charge au début, on va la calculer. D'accord? Je ne sais pas, elle est la molécule à l'érasmeta. On dit notre hakak, mais nous, je ne sais pas, d'accord, donc, le soufre, déjà, oxygène, couloir de vie, on a donc on va dire 6 fois 3 plus 6. D'accord, la molécule, elle est chargée. قلنا واش قلنا CSO3 2 moins هنا واش راني نحسب راني نحسب في Ne l'oxygène عنده 6 électrons de valence عندي 3 oxygène ضربت في 3 زائد 6 تاع le soufre ثاني عنده 6 électrons de valence ناقص moins 2 voyez Z هنا جا négatif attendez نحسبو Ne 6 في 3 ça fait 18 d'accord 18 6 moins moins 2, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. 18 plus 8, ça fait 26. D'accord? 26, c'est un chiffre pair. Normalement, je trouve 13 doublés. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, le nombre de doublés, Rahou, vérifié. D'accord? Donc, D est égal à 13 et c'est vérifié. Un type moléculaire, le type moléculaire, ça concerne l'atome central. Donc, on a AX3E, on dit Wahda, Zoj, Tlefa, on a dit qu'on double, on a dit le type moléculaire. Attention, Fakat, le type moléculaire, la doublaison entre nous, on a dit Wahda. Ou Kayin, doublé non liant. Donc, AX3E. Donc, AX3, donc, tétraèdre. Donc, tétraèdre. Voilà, c'est tout. On dit géométrie tétraédrique. Ou la tétraèdre. Géométrie tétraédrique ou la tétraèdre. Donc, vous voyez que Pehna, hein, c'est 3 plus 1. Donc, c'est 4. On a équipé de Koun 4, hybridation SP3. D'accord? NG, le POCl3. Ouais, j'espère que c'est clair. Gil POCl3. Alors, pour POCl3, le phosphore qu'on a chiffré tout à l'heure, l'oxygène n'a pas sa structure. Donc, P, il est comme ça. Alors, P, c'est l'atome central parce que le phosphore, c'est le moins électronégatif. D'accord? Le P, il a trois électrons célibataires. Donc, il me forme des liaisons. Donc, avec 4 atomes, donc il doit y avoir un passage vers un état excité. Donc, l'atome central, il a dès sa structure. Les atomes latéraux, leur électron célibataire, il est l'atome central. Donc, il va y avoir passage vers l'état excité. Donc, l'électron va être à l'orbital D. Donc, l'état excité est le phosphore. Donc, on va voir comment on va faire cette molécule. Donc, voilà. Donc, on va faire P double liaison O, d'accord? Et puis, alors, on a des deux électrons, là. Donc, on a un peu, regardez. Ou là, on a 5. Enfin, quand on a 5, ou là, on a 5. Sauf que c'est une autre répartition. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, double liaison avec O. Ou l'Ibqa, ils font des liaisons simples avec C. D'accord? Donc, on peut faire le nombre de doublés. On peut faire le NE, qui m'a donné tout à l'heure. Donc, c'est quoi la molécule? C'est POCl3. Donc, le phosphore, il a 5 électrons. L'oxygène, il a 7. Le chlore, il a 7. D'accord? Alors, هنا, vous avez 7 et 21. 5 et 7, ça fait 11. 21 et 11, ça fait 32. 32, c'est un chiffre pair. Maximum à les autres, ça me fait 16. D'accord? Donc, normalement, c'est 16 doublés. Je chauffe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, D est vérifié. Je chauffe le type moléculaire de l'atome central. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Doublaison, mais pas. Donc, liaison AX4, tétraèdre. D'accord? Tétraèdre ou la géométrie tétraédrique.
D'accord? Ou comme c'est AX4, l'hybridation d'atomes centrales, c'est SP3. Dit ClO3-, ClO3-, d'accord? Alors, très bien, ClO3-, le chlore, l'oxygène, donc je connais leur structure de valence. Le chlore, il est comme ça, l'oxygène, il est comme ça. Donc, déjà, vous voyez que, pardon, nous, zid un électron, le chlore, il va avoir 8 électrons, donc il ne pourra pas déjà former de liaison. Donc, intuitivement, déjà, nous avons dit un électron, le chlore, donc l'oxygène. Donc, l'atome le plus électronégatif ici, ce n'est pas le chlore, contrairement à ce qu'on croit, mais c'est plutôt l'oxygène. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné ici un tableau périodique. Juste, je vais vous dire, comme, regardez, l'électronégativité de l'oxygène, c'est 3,44 et celle du chlore, c'est 3,16. Donc, l'oxygène, il est plus électronégatif que le chlore. D'accord? Ça veut dire qu'ici, donc, l'atome central, ça sera le chlore. Très bien. On revient vers notre molécule. Voilà. Donc, celle. Donc, l'atome central, c'est le chlore. Donc, le chlore, هنا, le can, un électron, mais il ne pourra plus former de liaison. Et là, je vous ai donné deux structures. D'accord? Je vous ai donné deux structures. Comment elles ont été établies, ces deux structures? Donc, déjà, le chlore, donc, pour qu'il puisse former des liaisons, bien sûr, puisqu'il y a un seul électron, mais il peut former des liaisons avec trois atomes d'oxygène. Donc, vous comprenez qu'il y a un passage vers un état excité. Donc, le chlore, vous savez, il a deux électrons, P, d'accord? Il a deux électrons, P, vers l'AD. Donc, il y en aura ça. Deux électrons, P, il a l'AD. Il forme les liaisons. Sinon, comme ça, avec un seul électron, il forme les liaisons. D'accord? J'ai deux situations. خطرة ضفت ان الكترون للكلور ها جيت لهنا وضفت ان الكترون للكلور داكوغ ولا عنده 6 الكترون سيليباتير دونك ولا عندي الكلور هكذا شوفوا كيف راه عنده ان دوبلي ها عنده 1 2 3 4 5 6 6 الكترون سيليباتير هنا راني مديت الكترون للكلور داكوغ وخليت الاكسجين كيما راه oxygène, il est comme ça. D'accord? Alors, Washington, il va former ses liaisons. D'accord? Il va former des liaisons comme ça avec les trois oxygènes. Vous voyez? Hena Washdert, Hena Zet, les électrons, le chlore. D'accord? N'jin, n'hseb les charges formelles. N'hseb la charge formelle, t'as le chlore, t'as l'oxygène. هذا ولا هذا ولا هذا كيف كيف باسكو علاش راهم il forme les mêmes liaisons ما تقولوش حسب تاع واحد برك راهم il forme les mêmes types de liaisons voyez que هذا ويتشابه في هذا ويتشابه في هذا donc ils vont avoir la même charge formelle نجي لهذا الاكسجين charge formelle تاعو 6 moins 1 2 moins 2 fois 2 doublé non lié ça fait شحال يولي لي صفر هنا ثاني لو كان نجي نحسب charge formelle تاع الاكسجين 6 moins 2, moins 2 fois 2, tous les zéros. Ou هذا kif kif, 6 électrons de valence, moins 2 liaisons, amlik, moins 2 fois 2, doublé. D'accord? Ça me fait 0. Je vais vous dire le chlore, ou quand je vais la charge formelle, tous les liaisons. Donc, je vais vous dire le chlore, un dou 7, oui, un dou 7, moins 1 زوج 3 4 5 6 moins 6 ناقص 2 2 fois 1 هذه شحال تولي moins 8 moins donc ça fait moins 1 d'accord donc le chlore il va avoir une charge négative يعني راه سمتها لنا هنا هذه الحاله الاولى وين مديت واش مديت مديت الالكترون لو الكلور d'accord maintenant من مديتش الالكترون الكلور نمدو الان ديز اوكسيجين داكور
بصح الكلور لازم له يدير ان باساج فيغ ان ايتا اكسيتي باش يقدر يل بفورم لي ليزون. دونك كاسكو جو في فار، نمحي هذا الالكترون خلاص، مش راح نزيدو، مش راح نزيدو الكلور داكور، انا حنزيدو ان دي زوكسيجين. دونك ان دي زوكسيجين، الاكسجين كان هكا راكو تشوفوا فيه هنا لتحت، راني حنزيد له واحد فيهم، نزيد له ان الكترون باسكو فات راني حنضيف ان الكترون، نضيفوا لواحد من هاد لي تخوا زوكسيجين داكور، والاخرين كيفاش يديروا؟ يقعدوا على حالهم داكور. الكلور هنا لازم له يدير باساج فيغ ليتا اكسيتي، سينو ما يقدرش، عنده هو ان سول الكترون ما يقدرش، يبو با فورمي دي ليزون داكور. لاتوم سنترال دائما لازم يعدل سا ستركتور. دونك لو كلور يبقى هكا، ما ضفتلوش ان الكترون في هذه الحاله، كيفاه يولي؟ جو في سيي دو ديسيني سي، يبقى هكا وغاردي الكلور، عنده ان دوبلي داكور، عنده دو الكترون هنا، عنده دو الكترون هنا، ويبقى له ان الكترون. فوايي دونك يجيو لي دو زوت اوكسيجين، اي فون فورمي ليزون، لي دو زوت اوكسيجين اي فون فورمي ليزون. ومن بعد الاكسجين اللي ضفت له الكترون هاوليك، كيفاش يولي؟ يولي هكذا، فوايي، يولي دوبلي 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 واحد، هاوليك. دونك هذا كيجي هنا، il va me former cette liaison. نجي نحسب لي شارج فورمال. بون هاد لا سيتواسيون كيما هاد لا سيتواسيون، كيف كيف رانا في نفس الحاله. دونك نورمالمون شارج فورمال تاع الاكسجين هنا تخرج صفر، شارج فورمال تاع الاكسجين هنا تخرج صفر. نجي الاكسجين هذا، هذا الاكسجين هذا سولوي لا كي لا، نحسب لا شارج فورمال، 6 ناقص 1 ها ناقص 3 في زوج ها 3 دوبلي، شحال تولي لا شارج فورمال تاعو؟ تولي موانز. دونك الاكسجين va être porteur d'une charge moins، c'est pour ça que هنا حطيت له une charge نيجاتيف. و لو كلور لو كان نجي نحسب لا شارج فورمال تاعو، تولي لي شارج فورمال تاع لو كلور تولي لي كيما هنا، هذه وهذه كيف كيف، تولي لي هنا 7 داكور موان 1 2 3 4 5 موان 5 موان 2 داكور، تولي لي صفر. شارج فورمال دو كلور تولي صفر. دونك فوايي عندي دو موليكول ها، خطره سي لو كلور كي ا اون شارج فورمال موان، وخطره سي لوكسيجين كي ا اون شارج فورمال موان. لو كان نجي نتحقق بلو نومبر دو دوبلي ها، نجي نتحقق بلو نومبر دو دوبلي، نورمالمون انا لا موليكول تاعي سي كوا؟ لا موليكول تاعي سي ال او 3 موان، سي ال او pardon سي ال او 3 موان داكور. دونك نجي نحسب ان او داكور، سي 7 بلس 6 fois 3 moins moins 1 داكور. دونك تولي 7 6 fois 3 سي 18، 18 ولا 8 باسكو 7 moins moins 1 ça fait 8، 18 ولا 8 ça fait 26. دونك عندي 26، 26 divisé par 2 normalement 13. Donc normalement c'est 13 doublé. D'accord? نتحقق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Donc les deux molécules qui هذه qui هذه D est égal à 13. شكون la plus correcte؟ C'est celle-là. D'accord? علاش c'est celle-là؟ tout simplement واش قلنا قبيله؟ قلنا كي يكونوا عندنا دو ستركتور، فوايي عندي دو ستركتور يحققوا لو ميم نومبر دو دوبلي داكور، سوف كو هنا سي لوكسيجين اللي هو لو بلوز الكترونيجاتيف اللي راهو رافد لا شارج نيجاتيف، وهنا سي لاتوم لو مواز الكترونيجاتيف اللي راهو رافد لا شارج نيجاتيف داكور. دونك فينالمون جو شوازي سيلا كي لا بلو كوريكت داكور. دونك سيلا Donc, je l'ai mise dans le tableau. C'est celle qu'on a choisie. C'est la plus correcte. Oui, la charge formelle négative est portée par l'oxygène le plus électronégatif. J'ai dit le type moléculaire de l'atome central. D'accord? Andy 1, 2, 3, AX3, E. D'accord? Géométrie tétraédrique, hybridation SP3. D'accord? Géométrie tétraédrique, hybridation SP3. PF5. Le phosphore n'arfo, il est comme ça. Ça, c'est une molécule que nous avons vu le cours. Nous avons vu le cours PF5, nous avons vu PCL5. D'accord?
Donc, c'est l'hypervalence qui m'a tout à l'heure. Le phosphore ne peut pas former 5 liaisons. D'accord? Donc, il va y avoir un passage vers un état excité. Donc, l'électron va aller vers l'orbital D et on aura cet état-là. D'accord? Donc, on va avoir le phosphore. Il va être entouré de 5 électrons célibataires. Il dit chaque fluor avec son électron célibataire. Donc, il va former les 5 liaisons. D'accord? L'atome central, c'est AX5 type moléculaire. D'accord? Le nombre de doublés. Donc, on va avoir 7 fois 5, d'accord? Plus le phosphore, c'est 5. Donc, 7 fois 5, c'est 35. Donc, 35 plus 5, ça fait 40. 40, c'est un chiffre pair. Je divise par 2, ça me fait 20. Au moins, je dois trouver 20 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, il y a bel et bien 20 doublés. Donc, c'est une bipyramide à base triangle. Bipyramide à base triangle. Et SP3D. D'accord? L'atome central, vous voyez, là, SP3D, chauffe l'atome central, chauffe. Donc, Kaelic S, Clefa P, Wahda D, SP3D. Vous voyez, l'atome central, il chalate. L'hybridation, c'est quoi? C'est le mélange des orbitales atomiques. Donc, l'atome central, pardon, Wahda S, ma 3P, ma Wahda D, SP3D. D'accord? Pour le mélange, et puis l'explication, vous le trouvez dans le cours. SF4, kiff, là, vous voyez que le soufre, il est comme ça, c'est comme l'oxygène. Tel qu'il est comme ça, il ne peut pas former 4 liaisons avec 4 fluors. D'accord? Donc, quoi, je dis, il va y avoir un passage vers un état excité. Donc, il y a un électron et 12 maintenant. Le passage dans l'état excité, mais cache une règle. Donc, vous faites passer des électrons, comme vous pouvez former la molécule. On ne peut pas donner de règle. Donc, et puis le soufre, il y a dans ce cas S, donc comme ça, avec 4 électrons, il forme 4 liaisons avec les autres fluores. D'accord? L'atome central, c'est le soufre, donc AX4E, d'accord? Donc ici, P est égal à N plus M, c'est 4 plus 1, c'est 5, et c'est SP3D. Nous allons retrouver le soufre qui m'a connu tout à l'heure, vous voyez? Il va chalater le S tao, avec 3 orbitales P, avec 1 D, hybridation SP3D. Mais vous ne faites pas ça, d'accord? Vous, il faut te brouper pour retrouver l'hybridation, d'accord? Retrouvez tout vous qui faites les orbitales, chalater sinon chalater le. Ndjiw SF5 moins, d'accord? Bien sûr, l'atome le moins électronégatif, c'est le soufre. Le soufre tel qu'il est comme ça, il ne peut pas former, il ne peut pas former 5 liaisons, d'accord? Donc, là, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a SF5 moins, d'accord? Là, il y a un électron, le fluor, parce que le fluor est un atome latéral, il cherche les électrons célibataires. Un électron, il y aura un fluor, mais il peut former la liaison. Donc, finalement, cet électron, le soufre, d'accord? Donc, le soufre, il va faire passer un électron comme ça. On va faire un électron, d'accord? Comme ça, vous voyez, le soufre comme ça, avec un doublé, ou 1, 2, 3, 4, 5, 5 électrons célibataires, d'accord? Il forme 5 liaisons avec les autres fluores, d'accord? La charge formelle, on peut la calculer. Par exemple, le soufre, la charge formelle, donc le soufre a 6 électrons, moins 1, 2, 3, 4, 5, moins 5, moins 2 fois 1. D'accord? Et ça fait moins 1. Donc, le soufre va avoir une charge négative. Les autres fluores, la charge formelle, donc on va avoir 7 moins 1 électron, une liaison, pardon, moins 3 fois 2. Et donc, on va avoir 0. Les autres fluores vont avoir une charge égale à 0. D'accord? Donc, le type moléculaire, donc c'est AX5E, d'accord? P, c'est 5 plus 1, c'est 6, c'est SP3D2. Et vous regardez le soufre, chauffe, la hikhalat wahda S,
3P, 2D. D'accord? Alors, le type moléculaire, c'est AX5E et c'est une bipyramide à base carrée ou la géométrie octaédrique. Bipyramide à base carrée ou géométrie octaédrique. Il faut revenir vers le tableau que j'ai donné. CLF3, donc ici, vous allez avoir fluor, chlore, iode, brome, donc le moins électronégatif. Voilà, le moins électronégatif, c'est le chlore. Plus électronégatif, c'est le fluor. Chlore, ici, c'est l'atome central. Mais le chlore, ici, comme on l'a dit tout à l'heure, avec un électron célibataire, il forme trois liaisons. Donc, il doit y avoir un passage vers un état excité. Vous allez me dire, « Chal, j'ouze l'électron. J'ouze les électrons lisses, m'houli, bêch, je forme la liaison. » Il n'y a pas une règle. قولي جوزي زوج ولا ثلاثة علاش جوزت غير هذا وما زدتش جوزت هذا علاش ما زدتش لحقت لهذا دونك سي لا موليكول دونك سي لا موليكول كي بار دونك هنا نجوز ان سول الكترون باش يوليو عندي 3 الكترون سيليباتير اللي يخليوني جو فورم 3 ليزون افيك لو فلور داكور اي دونك جو في افوار ريغاردي لو كلور كيفاش يولي لو كلور يولي هكذا يولي عنده 2 دوبلي اي 3 الكترون سيليباتير داكور. Il devient comme ça. Voilà. Un ou deux doublés, trois électrons célibataires avec les autres. Tu peux faire le nombre de doublés toujours en calculant NE. Donc, on a ces CF3. CF3, donc c'est 7 plus 7 fois 3. D'accord? CF3, CLF3, pardon, CLF3. Oui, c'est ça. 7 fois 3, ça fait 21. 21 plus 7, ça fait 28. 28, c'est un chiffre pair. NE, c'est un chiffre pair. Je divise par 2. Normalement, j'ai 14 doublés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 doublés. D'accord? Hein? Le type moléculaire, c'est AX3. On dit 3 liaisons. Voilà. AX3, E2. Alors, là, c'est 3 plus 2, c'est 5. Donc, c'est la même chose, c'est SP3D. D'accord? SP3D. Vous voyez? Regardez. Il خلطe واحدة S مع 3P مع واحدة D. SP3D. Rappelez-vous que l'hybridation, ça concerne l'atome central. D'accord? Njil ICL 4 moins. ICL 4 moins. Donc, là, vous allez avoir... donc, là, c'est le ICL 4 mois. I, c'est l'atome central, d'accord? I, c'est l'atome central parce que, médecin, je peux dire qu'il y a fluor, chlore, brome, iode. C'est l'atome central ici. Bien sûr, l'iode, là, avec toujours un électron célibataire, mais il peut dire qu'il forme des liaisons. Donc, quoi je dire? Et puis, il y a une chose, ICL 4 mois. زدنا ان الكترون ما نقدرش نضيفو الان دي كلور باسكو الكلور ستا لاتوم لاتيرال وهذا لاتوم لاتيرال عنده ان الكترون سيليباتير لو كان نزيد له واحد يبقى يقدرش يبوا بلو فورمي دو ليزون دونك فينالمون كيسك جو في افوار اليود نون سولمون اي فا فير باسي ان الكترون هنا داكور دونك ديجا حيجوز هذا اللي كان هنا جوزو هنا ونزيدو نضيفو له ان الكترون باسكو لا موليكول اي شارجي كنقولوا موان صافي دير ضفنا ان الكترون موان 2 ضفنا 2 الكترون داكور دونك اليود كيفاش راح يولي اليود راح يولي هكذا دونك هكذا افيك 2 افيك 4 الكترون سيليباتير داكور اي سي كوم سا كي بورا فورمي دونك لا موليكول نقدروا نحسبوا لا شارج فورمال دو اليود دونك اليود عنده 7 الكترون موان 1 2 3 4 موان 4 moins 2 fois 2, donc 2 électrons, 2 doublés non liants. Donc, ça fait 8, ça fait moins 1. Donc, il faut toujours calculer les charges formelles pour compléter la structure, surtout, surtout, la molécule chargée. Hein. Quelle est une charge positive ou quelle est une charge négative, d'accord? Le type moléculaire ici, c'est AX4E2, voilà. Indique 4 liaisons, d'accord, et 2 doublés non liants. AX4, GP, HNA, est égal à 4 plus 2, donc SP3D2. Wallahi, wadhaf, l'atome central, regardez, rahi khalat S, ma 3P avec 2D, c'est SP3D2, d'accord. Et une géométrie qui est bipyramide à base carrée ou la octaédrique. Le BRF5, c'est comme la molécule Shfnaha tout à l'heure.
Donc, le brahme, c'est l'atome central. Il va y avoir un passage vers un état excité pour le brahme. Il me forme 5 liaisons. D'accord? Donc, là, vous voyez, les deux électrons, il y a 5 électrons célibataires. Il forme 5 liaisons. D'accord? Voilà. Donc, on va avoir ça. D'accord? Un type moléculaire AXE, AX4E, géométrie bipyramide à base carré ou la octaédrique, le tableau, je voudrais que tu aies les géométries, les rangs tableau que j'ai donné en bas de cette série. Et une hybridation de l'atome central SP3D2, Rahiwatha, SP3D2, SP3D2. D'accord? Dis la dernière molécule, c'est le I3-. D'accord, on a les molécules qui sont similaires. Donc, il y a un il va être l'atome central ou l'autre, c'est des atomes latéraux. Donc, on a qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'iode. Donc, l'iode, donc I3-. Donc, l'iode, donc déjà, il est comme ça. Hein? Donc, on va avoir ça. D'accord? Donc, passage vers un état excité. Voilà. Donc, il va un électron. Non, il ne va pas faire passer d'électron parce qu'il va faire un électron. D'accord? Donc, déjà, il n'y a pas de passage vers un état excité. Il va faire un électron. D'accord? Parce que c'est la molécule I3-. Donc, il va faire un électron. Il y a une forme de liaison. Il y a deux électrons célibataires. D'accord? Donc, on va avoir I3-. Voilà. Donc, 3 doublés, I3-. Hena, parce que la molécule est chargée, il faut n'exceller les charges formelles. Donc, pour cet iode-là, il voulait avoir 7 moins 1 moins 3 fois 2. Donc, c'est 0. Pour cet iode-là, kif-kif, on va avoir 7 moins 1 moins 3 fois 2. Donc, c'est 0. Et puis, pour celui-là, on va avoir 7 moins 2 moins 3 fois 2, donc on va avoir moins 1, d'accord? Une charge formelle de moins 1, charge formelle, pardon. Donc, là, vous voyez que pour le type moléculaire de l'atome central, c'est AX2E3, d'accord? Mais si je calcule P, P c'est 2 plus 3, c'est 5, d'accord? Donc, SP3D, d'accord? Oui, dans la hasto, taoudou tarjou tout à l'heure, regardez. Andi S, ma 3P, ma D, SP3D. D'accord, tabou, tetrako, d'accord. Et la géométrie, c'est une géométrie bipyramidale, d'accord. Donc, je voudrais faire avec vous également. Attendez, je vais faire avec vous d'autres molécules. Donc, je vais faire la molécule de OCN-. Alors, OCN-. D'accord? Alors, cette molécule, par exemple, donc vous avez l'oxygène avec 8 électrons, donc c'est NS2, 2S2, 2P, 4, d'accord? Donc 2S2P. Donc 2S2P. Voilà, donc l'oxygène, il est comme ça. Le carbone, donc on connaît sa structure, donc avec ses 6 électrons, NS2, 2S2, 2P2, donc couche de valence, 2S et 2P, donc 1, donc le carbone, il est comme ça, hein. Donc c'est pas la peine que, donc il n'y a pas d'électrons ici, hein. Il n'y a pas d'électron. D'accord? Donc, le carbone, il est là. Et puis, l'azote, il a 7 électrons. Donc, c'est NS2, 2S2, 2P3. Donc, 2S, 2P. Voilà. Alors, là, on peut avoir trois manières de représenter cette molécule. Donc, soit qu'on va la représenter comme ça. Donc, je peux faire C tripiaison N. D'accord? Voilà.
je peux faire C double liaison N double liaison O. Et je peux faire C liaison N, comme ça. Et puis, triple liaison O. D'accord? Bien sûr, on a un électron ziède. Hein? Parfois, c'est l'oxygène, parfois, c'est l'azote. D'accord? Lequel est-ce que nous avons NE? NE, hein? Ça va être pour l'oxygène. Gain 7, 7 plus 4 plus 5 moins, moins 1. Donc 7 10. Donc on a 10, 10 plus 7 ça fait 16. Donc NE, donc c'est 16, c'est un chiffre pair. Je divise par 2, ça fait 8. Normalement, je dois avoir une structure qui a 8 doublés. Regardez, là, partout. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, vous voyez que les trois structures des tahom est égal à 8. D'accord? Donc, vous voyez que fi hadha al-hala, l'électron c'est l'oxygène. Fi hadha al-hala, l'électron c'est l'azote. Hna, c'est l'azote. Hna, c'est l'oxygène. D'accord? Bon, l'atome central, c'est le carbone, c'est le moins électronégatif. On ne revient pas vers ces choses-là. Donc, là, nous avons les charges formelles. D'accord? On va aller vers les charges formelles. Nous avons la molécule. D'accord? Je prends chaque molécule, nous avons la charge formelle. D'accord? Celle-là. D'accord? Alors, pour l'azote, charge formelle terre. Twilly. 7, 5, pardon, l'azote, 5, hna, 1, 2, 3, moins 3, moins 1 fois 2, d'accord? Donc, elle est tous les 0. Charge formelle terre le carbone, donc c'est 4, moins 4, 0. Charge formelle terre l'oxygène, et tous les 6, moins 1, l'oxygène, moins 3 fois 2. Donc, tout le moins 1. Donc, l'oxygène va avoir une charge moins. On a mis les charges formelles, on a mis les charges formelles. On dit le heavy. Voilà. Alors, charge formelle, tu as le carbone. Donc, on a dit 4, 4, c'est 0. Charge formelle, tu as l'azote. Tout le monde dit 5. Moins, ah, ou l'azote, moins 2 fois 2. Donc, il va t'avoir une charge qui est égale à moins 1. Donc, elle est la charge moins 1, moins, ou la note moins. Ou charge formelle, tu as l'oxygène. Tu lis, on dit, 7, moins 2, moins 2 fois 2. Donc, c'est 0. On n'a aucune charge. D'accord? On dit la molécule thélia. D'accord, la représentation est telle. On accepte la charge formelle. Pour le carbone, charge formelle, c'est 4 moins 4, 0. Hein? Charge formelle, tu as l'azote, c'est 5 moins 1 moins 3 fois 2, donc c'est moins 2, donc 2 moins 1 an. Ou charge formelle, tu as l'oxygène. D'accord? La hatouli 7 moins 3 moins 2 fois 1. D'accord? Donc, voilà. Donc, 7 moins 3 moins 2 fois 1. Un seul doublé. D'accord? Donc, la charge formelle est à l'oxygène ou plus 1. D'accord? Donc, ça va être plus. Alors, là, vous voyez, c'est là où il y a vraiment l'importance à la charge formelle. J'ai trois structures. Et D, partout, c'est 8. Je peux choisir. D'accord? Déjà, la règle, où je trouve? Je trouve la molécule qui a le moins de charge.
كيما هنا هذا لاتوم فيه اون شارج والاكسجين فيه اون شارج وهنا سي جوست لوكسجين اللي فيه اون شارج وهنا سي جوست لازوت اللي فيه اون شارج دونك او فات يعني هذه نحيها داكو داكو يبقى لي بين هذه وهذه شكون نخير هنا شكون لو بلوز الكترونيجاتيف سي لازوت ولا لوكسجين بيان سور سي لوكسجين دونك فينالمون نخير وين لاتوم لو بلوز الكترونيجاتيف هو اللي يكون عنده اون شارج نيجاتيف D'accord. Et donc finalement, هذه ثاني ما نخيرهاش et la plus correcte, ça sera celle-là. D'accord. Donc voyez l'importance تاع l'importance تاع la charge formelle. Donc c'est ça. D'accord. C'est ça l'importance تاع la charge formelle. On peut faire aussi une autre molécule. On peut faire, مثلاً CO3 deux mois. D'accord. CO3 deux mois. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir C. Donc, le carbone, c'est l'atome central, mais on a plus les électrons. Donc, on a deux électrons. Il y a un oxygène qui est dans la halle. Ou les autres, on a un électron. D'accord? Il y a un D'accord? Donc, il y a un oxygène qui est dans la halle. L'oxygène déjà est dans la دونك ان اوكسيجين يقعد كيما راه ولي زوتر اوكسيجين الاخرين نضيف لهم كل واحد ان الكترون ان الكترون داكور دونك الاوكسيجين كي نضيف له ان الكترون راح يولي هكذا داكور فوالا ويبقى له ان الكترون سيليباتير يولي هكذا وهذا الاخر لو دوزيام يولي هكذا كي نجي نحسب لا شارج فورمال نجي نحسب لا شارج فورمال دونك بور لو كربون شارج فورمال بور لو كربون Donc, c'est 4, naqs 4, vous voyez, 4 liaisons, donc c'est 0. N'jil had l'oxygène, charge formelle, c'est 7, moins 2 fois 2, donc ça fait 0, charge formelle 0. N'jil had les deux autres oxygènes, charge formelle, 7, moins 1, moins 3, fais zouj, ça va faire quoi? Ça va faire moins. Donc, hava, parce que complété, tu lis moins, ou hana thani, tu lis moins. D'accord. Et donc c'est ça l'importance de la charge formelle. On arrive maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, un autre point qu'on a abordé dans le cours, c'est discuter les angles de liaison. Donc, discuter les angles de liaison. Donc, il y a une partie dans le cours que je vous invite à revoir. D'accord ? Qui connaît un doublé liant, qui connaît un doublé non liant. Donc, il faut voir cette partie du cours. Donc, maintenant, j'ai... trois molécules, le PH3, le PCl3 et le PF3, on vous demande de les classer, enfin plutôt de classer par ordre croissant l'angle de valence. L'angle de valence, c'est l'angle lycaïne bin les liaisons. Donc, je reprends avec cet exercice. J'ai eu quelques soucis avec mon PC qui s'est éteint subitement, donc je reprends. Donc, il s'agissait de trois molécules. Je vous ai dit, il faut revenir donc à relire la partie du cours qui concerne la variation des angles de liaison. D'accord ? La variation, les angles de liaison, quand on a des doublés liants, des doublés non liants. Donc, c'est bien expliqué dans le cours. Là, il s'agit de trois molécules. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont la même structure de Lewis, même type moléculaire, même géométrie tétraédrique, bien sûr avec des angles ici de 109 degrés partout, d'accord ? Donc des angles de 109. Donc la géométrie tétraédrique, je crois que je l'ai expliqué, tèdre, c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est voilà. Donc il la géométrie t'as NH3 par exemple, il est comme ça. Donc voilà, il y a un sommet en haut. Donc c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, donc trois triangles. Donc un triangle face, un triangle menhik, d'accord, l'autre triangle de l'autre
ou un triangle en bas. D'accord? Donc, il y a l'atome central au milieu. On va avoir un atome latéral maintenant, un atome latéral maintenant, un atome latéral maintenant et un atome latéral pardon, au sommet. C'est ce que vous voyez ici, un atome latéral tahet, c'est les triangles, les kaïn tahet. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc par rapport au doublé liant et doublé non liant. Donc on a le doublé non liant, il coule plus attiré vers l'atome central, comme c'est le cas ici. Donc, il est plus attiré. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet parapluie. Donc, vous voyez ici que ce doublé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, fi hadha al-hala, par exemple, les angles vont être plus petits que 109 degrés. D'accord? Parce qu'il y a le doublé hadha. Le doublé hadha, il va écraser. Donc, il va écraser les liaisons par là, d'accord? Donc, il va écraser les liaisons ici parce qu'il est volumineux. Généralement, le doublé libre, il est plus gros. Donc, il va écraser les liaisons. On va avoir des angles plus petits, d'accord? Maintenant, après, les doublés de liaison, ils connaîtront l'atome le plus électronégatif. Ils connaîtront l'atome le plus électronégatif. Qui maintenant, comme l'azote est plus électronégatif que H, l'azote plus électronégatif que H, les doublés, ils seront plus proches de l'azote. Là, par contre, c'est l'hydrogène qui est plus électronégatif et donc les doublés, ils iront beaucoup plus l'hydrogène. C'est-à-dire, dans ces deux situations, les angles ne vont pas être égaux à 109 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a le doublé libre, donc qui va écraser la structure. Donc les angles hikono sera à 109 degrés à cause du doublé libre. Mais en plus, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que fi hadha al-hala, les angles hikono kbar ala fi hadha al-hala. Pourquoi? Parce que quand il y a les doublés rahitqarbu l'azote, la répulsion hna, elle va être plus forte. Par contre, hna rahin ikunu ba'ad et donc la répulsion sera. C'est-à-dire qadma hna ikunu qrab, qadma hada la distance tkber, d'accord? L'angle yzid ikber. Ou là, quand ils vont l'hydrogène, donc la distance, ils reviennent, ils rappellent les liaisons. C'est-à-dire, dans les deux cas, les angles sont inférieurs à 109 degrés, sauf que dans ce cas-là, l'angle est plus grand par rapport à l'angle. Donc, l'angle NaH est plus grand que l'angle PHH. Par contre, ils connaissent les deux, ils sont plus grands à 109 degrés. D'accord? Donc, ça, c'est les points qu'on a discutés au cours. Il y a aussi ce point-là. Voilà. Donc, il y a aussi ce point-là donc, qui ressemble à peu près à ça. Donc, l'électronégativité. Donc, quand il y a l'atome électronégatif, les électrons de la liaison, ils sont carbolés. Donc, ce qui va écarter un peu la liaison. Et puis, il y a aussi. Donc, il y a. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est la même chose. Donc, il y a une forte répulsion parce qu'il est plus électronégatif. Ou il y a un doublé libre, l'angle, il va être écrasé. J'ai pris un angle de 120 degrés parce que j'ai pris une géométrie linéaire. D'accord? Donc, l'angle sera à la 120 à cause du doublé libre. D'accord? À cause du doublé libre. Donc, on revient vers notre exercice. Donc, là, normalement, les angles vont être, bien sûr, tous, l'angle va être 109 degrés, parce qu'il y a le doublé non liant, d'ailleurs, tu as l'azote. Toujours, là, le doublé non liant, tu as l'azote. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser ici les liaisons. Donc, il va être, fi hadha al-hala, ou fi hadha al-hala, ou fi hadha al-hala, les angles vont être 109 degrés. Dans le cours, on a discuté le cas où il y a les atomes centraux et différents, ou les atomes latéraux, ils sont métchabhin. Et là, on a discuté un autre cas où il y a le même atome central, mais c'est les atomes latéraux, ils sont différents. Et là, toujours, on discute par rapport à l'électronégativité. Donc, vous voyez, il y a des doublés qui sont libres, d'accord? Ou les doublés qui sont libres, ils vont créer là, une répulsion. C'est ce qu'il faudrait savoir. Demain, l'atome il est électronégatif, quand le doublé est il est
d'accord, quand même le double état aura été mjboud ليه. Et comme احنا le fluor il est plus électronégatif que le chlore, d'accord, dans les deux cas احنا ثاني كاين لا répulsion و هنا ثاني كاين لا répulsion, بصح في هذه الحاله la répulsion تكون قل, d'accord, علاش, parce que le doublé راح يكون مجبود beaucoup plus للفلور, parce que le fluor il est plus électronégatif. Donc qu'est-ce qu'on va avoir, on va avoir l'angle PFF راح يكون صغير على l'angle PCLCL ou les deux يكونوا صغير على PHH parce que هنا il y a pas de doublé. Donc les angles راح يكونوا وبصح كامل يكونوا قل من 109. علاش les angles هنا كامل قل من 109, tout simplement parce qu'il y a le doublé libre de l'azote du phosphore qui va écraser les autres liaisons, il va les écraser maintenant, d'accord, il va les écraser de ce côté. وعلاش l'angle هنا صغير على l'angle هنا, parce que le fluor il est plus électronégatif, donc il يجبد ليه le doublé, d'accord. Donc voilà, ça c'est des points que je vous invite à revoir dans le cours. Maintenant, dis-vous l'exercice 3. L'exercice 3, c'est sur les diagrammes énergétiques. D'accord, c'est sur les diagrammes énergétiques. Donc, on a pris 3 molécules. Et là aussi, c'est la partie qui est là. D'ailleurs, aussi, également, il faudrait la lire. Donc, la partie que vous voyez ici, juste avant la méthode VSEPR. Voilà, c'est là. C'est kinzite, hna. Quand on ajoute un électron à une orbitale moléculaire liante ou là une orbitale moléculaire antiliante, ou là l'autre cas qui n'est un électron, une orbitale moléculaire liante ou une orbitale moléculaire antiliante, comment va varier l'indice de liaison, l'énergie de liaison et la longueur de la liaison. Donc ces deux diapositives, la diapositive 55 et 56, donc elles sont importantes. Ça sera l'objet de cet exercice. Donc on a pris 3 molécules. 1,2, 1,2 plus et 1,2 moins. On voudrait donner pour chaque molécule la structure électronique, l'indice ou le nombre de liaisons. Donc, on se met. Alors, ma chute, le Felcom, parce que je sais qu'il y a des gens, dès qu'on change un petit mot, ça y est, c'est terminé, c'est toute la compréhension qui va disparaître avec. Donc, un colo indice de liaison ou un colo ordre de liaison. D'accord? Ordre de liaison. Ou l'incolo nombre de liaisons. Kif, kif. Donc, c'est la même chose. Indiquer leurs propriétés magnétiques, c'est-à-dire un incolo s'ils sont paramagnétiques ou s'ils sont diamagnétiques. Et prévoir comment va varier la longueur de la liaison qui nous aide un électron dans la molécule 1 de moins ou l'équinaxo un électron. Donc, il faut se rappeler que pour construire le diagramme énergétique, qu'on appelle aussi le diagramme d'interaction. Donc, on se met un diagramme énergétique ou le diagramme d'énergie ou on se met diagramme d'interaction. D'accord? Diagramme d'interaction. On a deux types de diagrammes. D'accord? Quels sont les diagrammes avec interaction ou sans interaction? Sans interaction, c'est pour les molécules O2, F2 et NE2, et avec interaction B2, C2 et N2. La différence, c'est ça. Alors, il faut savoir que wesh kayn min hadha l'kôti, wesh kayn min hadha l'kôti, c'est les orbitales atomiques. On dit deux atomes, l'orbital atomique de la molécule de l'atome A ou l'orbital atomique d'un autre atome. Donc, parfois, c'est le même atome quand il s'agit de O2, F2, c'est le même atome. Ou ce que vous voyez, Flouest, c'est les orbitales moléculaires. Là aussi, il faut revoir le cours. La molécule N2, donc l'azote avec ses 7 électrons, donc NS2, 2S2 et 2P3. La couche de valence, donc j'ai dit, quand on parle de liaison, on parle de la couche de valence seulement, on ne parle pas des autres couches. Donc, pardon, 2S et 2P. Voilà. Donc, il est comme ça. Donc, là, qu'il y a le diagramme énergétique. Donc, chaque atome d'azote, l'azote le wool, donc je fais ça. D'accord? J'ai l'azote le wool maintenant ou l'azote zaouj. D'accord? Donc, l'azote, andou la 2S. D'accord? Ou hava andou la 2S ter. Ou moraham la 2pi. Bien sûr, le classement, ce n'est pas un hasard parce que l'ordre, je vois,
2 S, 2 P. Ça veut dire, où je le classement, où je c'est un classement par ordre d'énergie croissante. Parce que c'est quoi, là? C'est des énergies. Donc, j'ai la 1 S, on va de la 2 S, on va de la 2 P. D'accord? Donc, la 2 S, j'ai le tête, on va de la 2 P. Où l'énergie, là, n'est pas là. D'accord? Alors, ici, la 2 S, alors, ici, pour la 2 S, il y a deux électrons. L'autre 2S, il y a encore deux électrons. On bat le P, qui est un électron et un électron. D'accord? Un électron, un électron, un électron. Bien sûr, il y a la P, donc il y a la PX, la PY et la PZ. Hein? Ou il y a PX, PY et PZ. C'est important. L'ordre, ce n'est pas important. Alors, la NS, la 2S va à la 2S. Alors, on a deux orbitales atomiques. Ils forment deux orbitales moléculaires. D'accord? Donc, on va avoir quoi? On va avoir la sigma 2S, la liante, ou bien l'antiliante, sigma 2S étoile. D'accord? Sigma 2S et sigma 2S étoile. D'accord? Donc, on va avoir deux électrons ici. Et deux électrons, là, vous allez me dire, ninja ou des électrons, on dit zoujhna ou zoujhna, donc là, il y a une rabba. D'accord? 1, 2, 3, 4. Flappé, alors, on a un donc, vous voyez ici que pour l'azote, nous avons dit, donc il faut revoir ici, pour l'azote, nous avons dit qu'il s'agit d'un diagramme, donc, avec interaction. Donc, où je mène avec interaction, ça veut dire la pi tabot ou la sigma tatla. On a qu'un sigma, on bat pi. Pi, sigma. On a aussi ça, la pi tabot, la sigma tatla. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, on va avoir, on a la pi. D'accord? On bat qui la sigma. Et du binzouj, liante. On bat me le fouk. D'accord? Il faut revoir donc ici, mais il faut que tu aies de l'ouelo. Tu as de la pi, on va avoir la sigma. D'accord? Mais il faut qu'on va avoir la pi. D'accord? On va avoir la sigma. D'accord? Donc, on a la pi. On a fait le cours, Billy. Quand tu as dit sigma, quand tu as dit pi, tu as dit M. D'accord? Quand M est égal à 0, c'est sigma. D'accord? Quand M est égal à 1 ou la moins 1, donc la valeur absolue, je vais avoir pi. D'accord? Donc, il faut revoir le cours, c'est mentionné dessus. D'accord? Donc, là, on sait que M, alors c'est moins 1, 0 et 1. D'accord? C'est moins 1, 0 et 1. Normalement, c'est les orbitales, les nombres quantiques qu'il faut, donc tout est lié. Alors, généralement, alors qu'il y a un PZ, tu as 0, il y a un PZ, l'autre PX, PY. Donc, tu as 0 PZ, l'autre PX, PY. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Quiconque M est égal à 1 en valeur absolue, d'accord? Donc, je vais avoir pi. Donc, je vais avoir pi PX. Pi PY. Ou heavy sigma PZ. Ou heavy pi PX étoile. Pi PX, pi PY étoile. Et sigma PZ étoile. Voilà. C'est ça. Donc, Andy sigma qui compte M est égal à 0. Qui m'a pour S, S, M est égal à 0. L est égal à 0 et M est égal à 0. Pour N, L, pour P, L est égal à 1, d'accord? Et M, il prend les valeurs moins 1, 0 et 1. Qui compte 0? C'est sigma, d'accord? Il forme des liaisons sigma. Donc, la PZ, hein? La PZ, l'okhra, ou chahini chiklo, il chiklo une liaison sigma. Wahda liante, wahda antiliante. À chaque fois qu'il claque deux orbitales atomiques, il forme deux orbitales moléculaires. D'accord? Ou le PX va à le PY, parce que c'est moins 1 plus 1, qui compte M est égal à 1,
D'accord? Ils vont former des liaisons. Puis donc, comme on dit, واحد زوج شوفوا واحد زوج ثلاثة أربعة 4 orbitales atomiques يعطوني 4 orbitales moléculaires ppx ppy ppx étoile ppy étoile on bat les électrons on les zahm شحال كاين هنا 1 2 3 4 5 6 كاين 6 نوزعهم لي ريغ دو رامبليساج كي ما درنا مع لا ريغ دو كلاشكوفسكي ولي لي كاس كوانتيك c'est-à-dire نعمر من بعد نشبع je remplis ou bien je sature ما نروحش ندير 1 2 3 4 لا لا 1 2 3 4 5 6 d'accord maintenant هذا لو كان جانا avec interaction لو كان جا avec interaction دونك حنا واش قلنا نعاود نديكم توجور هنا هذا راهو avec interaction لو كان جانا sans interaction la différence c'est que le pz هذه تهبط هنا ما توليش هنا تولي هنايا d'accord c'est la seule différence li kayn le farq faqat hna avec interaction tahbat la pi w tatla la sigma pz sans interaction tahbat la sigma pz w tatla la pi d'accord voilà donc narja ana l'exercice ta'i donc j'ai compris maintenant comment construire les diagrammes énergétiques moi je vous ai donné ta les trois molécules donc hna hadi hna manich katba ça c'est 2s hadi c'est 2s هذه سي 2P دونك قلنا نديرو PX ونديرو PY ونديرو PZ في الوسط نديرو PX ونديرو PY ونديرو PZ في الوسط هذه نسميها لا سيغما 2S هذه سيغما 2S ايتوال PPX PPY ولا نحطو 2 2PX فوالا باسكو سي لا 2P هذه كاع سي لا 2P هذه ثاني سي لا 2P داكور وهذا سي لو سيغما 2PZ وهذا بي دو بي اكس دو بي اكس وهذا بي دو بي واي وهذا سيغما دو بي زد هادو سي لي زانتيليون هذا سي كيما شفتو توتالور افيك انتراكسيون وزعنا الالكترونات كيما شفتوهم توتالور مينتونون لي راكو تشوفو فيهم اون روج كيما هنا سي لي زانتيليون باسكو راهم دون اون اوربيتال انتيليون هذا سي لو ان دو نحسب لوردر دو ليزون Pour calculer le nombre de liaisons ou l'ordre de liaison, n'hésite les électrons là en orbital moléculaire liante, moi les électrons là en orbital moléculaire antiliante, on appelle ça la zouche. Alors les liantes là en bleu zrak, ou les antiliantes là en bleu rouge. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, moins 2, là en bleu rouge, flantiliante. 8 moins 2, ça fait 6, 6 sur 2, ça fait 3. D'accord? نجي لو ان 2 نجي هذا تاع من هذا سي لو ان 2 موا ان 2 معناتها ضفت ان الكترون ها سادير ان 2 ونضيف عليها ان الكترون وين نديرو نديرو في اوربيتال فوقانيه داكور اللي راهي فارغه داكور شغل كان عندي ان 2 كيما خدمتو هنا داكور ضفت ان الكترون حطوه هناك داكور الاختلاف راح يكون في لوردر دو ليزون ها الالكترون اللي زدتو وين ضفتو ضفتو اي اوربيتال موليكولار انتيليون نورمالمون واش يصرى لوردر دو ليزون ينقص داكور لا لونغور دو لا ليزون تزيد والانرجي دو ليزون تنقص داكور دونك هادو ما يفو لي فوار جو فوزي دي سي لي ديابوزيتيف 55 اي 56 داكور دونك اون تروف 2.5 فوالا سي لي بلزرق les liantes, les électrons, les renflés, les orbitales moléculaires liantes, 8, moins 3, heaven, plus heaven. D'accord? Maintenant, kinjil 1 de plus, ou je m'aneta? M'aneta, n'hit un électron. Toujours, on rohta 1 de, ou n'hit un électron. Voyez le four qu'un aux autres? N'hit wahit. D'accord? N'hit un électron. N'hit metalia. D'accord? On rohta n'hit fulgust, n'hit la dernière. D'accord? Donc, هنا, au lieu qu'il y ait 8 في les orbitales moléculaires liantes, ou là, on dit 7 bleu, bleu, moins 2 les antiliantes, 2.5. Kif, kif. Alors, chauffe. Que ça soit, nzid un électron, l'orbital moléculaire antiliante. D'accord? Ou là, n'qas un électron, une orbitale moléculaire liante, daimen, c'est la même chose.
l'ordre de liaison yonkos, la longueur de la liaison zid, ou l'énergie de la liaison tonkos. D'accord? Comme tout à l'heure, la diapositive, c'est comme la configuration. Alors, la configuration, pour chaque atome, NS2, d'accord, 2S2, 2P6, 3S2, kif, c'est la même chose. Donc, chaque orbital moléculaire, elle fait 2 électrons, mais elle fait kfar, d'accord. Vous voyez, là, chaque orbital, elle fait zouj, mais elle fait kfar, elle dit zouj, elle dit zouj, elle dit zouj, ou c'est tefham. Donc, tu lis un dit sigma 2S2, sigma 2S étoile 2, pi 2PX 2, pi 2PY 2, ou sigma 2PZ 2. 2 ou chnouava, c'est le nombre d'électrons, mais rahi aftetom. Hadi, c'est la configuration. Hai ta un 2. Ta un 2 mois, rana vofna un électron. Win vofna, hai lik win vofna. Vofna f la PX ou la PY étoile. D'accord? Très bien. PPX étoile, pi de PX étoile 1. Ou l'un de plus, nahina un électron. Ça, c'est ce qu'on appelle une configuration électronique ta les molécules. D'accord? Qui mehna, voilà, donc c'est ça. On peut par exemple faire O2, d'accord? O, il a 8 électrons, d'accord? Donc, c'est NS2, 2S2, 2P4. Je crois qu'Adel O, il a été fait en cours. D'accord? Donc, ça, c'est les électrons. Donc, on va avoir la 2S. Hadou, c'est les diagrammes d'énergie. Donc, là, c'est énergie rai zid. D'accord? Ou la 2P. D'accord? Aïe. Donc, 2S et 2S. Ou on a qui m'a qu'on a tout à l'heure. 2PX, 2PZ, 2PY. Qui m'a donné tout à l'heure. 2PX, 2PZ, 2PZ et 2PY. D'accord? Alors maintenant, on a... alors, chaque électron, qui a une zone, on a 1, 2, 3, 4. Ou on a qui a une 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour O2, qui m'a dit tout à l'heure, O2, O2, c'est sans interaction. Sans interaction, wesh ma'netha? Ma'netha, bon, hna ma yitbeddelch, yiwli sigma 2S ou sigma 2S étoile. Hein? Sigma 2S étoile. Bien sûr, wahda plus énergétique. Wahda moins énergétique. D'accord? Donc, 4 électrons. Kenou andi zoujhna ou zoujhna rabaa nous zahoum ala hado. Wahna, comme il est sans interaction, ça veut dire, hana shkoun tibda, sigma, tibda, pardon, la sigma 2PZ. D'accord? Ou badi jimoraha la PPX, pi 2PX ou pi 2PY. On va le fouk, je connais les antiliantes TLP, pi 2PX étoile, pi 2PY étoile, ou le fouk, je connais sigma 2PZ étoile. D'accord? Je vais vous donner l'électron, qui est 4, ou 4, donc on va vous donner 8. Yalla nous zahoum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, nouza, bad nchba. Je remplis ou bad je sature. D'accord? Alors, hna, look, hada ta O2. Look, hna, nji n'ktib la configuration, kfa n'ktibha. Sigma 2S 2. Sigma 2S étoile 2. Sigma 2PZ 2. D'accord? Pi 2PX 2, pi 2PY 2, d'accord? Alors, pi 2PY étoile 1, pi 2PZ étoile, X, pardon, X étoile 1.
لو كان نجي نضيف ان الكترون ستادير كيشوف او دو موان راح نضيفو هنا ها الالكترون الزاوج دونك نديرو بالاحمر ها راح نضيفو هنا داكو دونك راني وين راني حنضيفو حنضيفو اون اوربيتال موليكولير انتي ليان نورمالمون واش يصرى لوردر دو ليزون ينقص الوغ بور او دو لوردر دو ليزون شحال كان وراهم لي ليانت هام ليك لي ليانت هذه ليانت هذه ليانت هذه ليانت هذه ليانت دونك شحال كاين 8 لي زانتي ليانت وراهم لي زانتي ليانت هام ليك هذه انتي ليانت هذا انتي ليانت هذا انتي يعني على او دو مش على او دو موا دونك شحال ولاو ناقص 4 داكو دونك 8 ناقص 4 صافي 4 4 سور 2 صافي 2 لو كان ندير او دو موا واش تولي تولي عندي لي ليانت 8 ها لي ليانت 8 داكو موا لي زانتي ليانت شحال راح يوليو لي زانتي ليانت انا زدنا واحد يوليو ناقص 5 دونك 8 ناقص 5 صافي 3 3 سور 2 صافي 1.5 دونك لوردر دو ليزون ينقص داكو لو كان نجي نحي ان الكترون ستادير لو كان ندير او 2 بلس داكو صافي دير واش راني حندير او 2 بلس معناتها راني دركا ماشي حنضيف ان الكترون داكو راني حنحي ان الكترون داكو راني حنحي ان الكترون داكو دونك كي نحي ان الكترون راني حنحي من اون اوربيتال موليكولير انتي ليانت واش يصرى لوردر دو ليزون يزيد الوغ بور او دو بلس لوردر دو ليزون واش راح يولي راح يولي لي ليانت هامليك 8 8 موا لي زانتي ليانت راح يوليو 3 8 ناقص 3 صافي 5 5 على 2 صافي 2.5 دونك فوي كلور دو ليزون زد Je vous invite à revoir les diapositives 55 et 56. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. L'électron supplémentaire, il va dans une orbitale moléculaire anti-liante, donc l'ordre de liaison en os, la longueur de la liaison dite ou l'énergie de liaison en os. Oui, il نحن حينه نحيوها من وحده ليونت الوغ كي نحيوها من وحده ليونت صرا لا ميم شوز دونك لور دو ليزون يقص لينيرجي دو ليزون زيد ولا لونغور دو لا ليزون زيد داكور دونك سا سي لا ديسكوسيون نجيو سا سي ان اكزرسيس كو جي دوني جوست بور دونك سي اش 3 سي اش او بون بيان سور تيل كيل اي كريت كوم سا سي اش 3 سي اش او دونك حنا ستانالديد Donc, vous ne pouvez pas voir un peu le groupement. Donc, c'est un aldéhyde. Donc, il faut donner l'état d'hybridation de chaque atome. Donc, j'ai donné la représentation de Lewis. Donc, vous voyez que le carbone, le wall, c'est AX4, qui a une 4 liaison. D'accord? Donc, il est hybridé SP3. Le carbone, Zawj, 1, 2, 3, c'est AX3, hybridé SP2. L'oxygène, c'est AXE2, AXE2. Donc, c'est SP2. D'accord? On peut les dessiner. Donc, ça, c'est les différentes orbitales atomiques et moléculaires. Pardon, c'est les différentes orbitales atomiques, surtout de chaque atome. Donc, kifarahini kono, je vais essayer de vous les représenter ici. Donc, modifier, effacer. Donc, je vais vous les représenter. Donc, déjà, le carbone, donc il va avoir la 2S, la 2P, comme ça. Ça, c'est le carbone. 1, 1, 1, d'accord? Donc, le carbone, wesh qoldan? Le carbone, le wula. Qoldan, il est hybridé SP3, d'accord? Donc, les trois orbitales atomiques, yintjouna trois orbitales hybrides, d'accord? Trois orbitales hybrides SP3 avec une géométrie tétraédrique et des angles de 109 degrés. D'accord? Donc, on va avoir le premier carbone. Rahikun haka, andou trois orbitales hybrides comme ça. D'accord? Non. Quatre orbitales atomiques, pardon, je suis désolée. Quatre orbitales atomiques, donc quatre orbitales hybrides. Kul wahda fihom refda. Un électron.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'oxygène, l'hydrogène, alors il y aura de pur, il y a l'hydrogène, il y a l'électron Tao. D'accord? Chaque hydrogène, il y a l'électron Tao, d'accord? Il y a l'autre carbone. D'accord? L'autre carbone, il est hybride SP2. D'accord? Alors, le carbone Zawij, il est hybride SP2. Donc, il y a l'S. Hein? Le S, donc ouais, il est comme ça. Il خلط le S avec deux P. D'accord? Donc, il خلط trois orbitales atomiques qui induisent les trois orbitales hybrides, SP2, avec une géométrie plane et avec des angles de 120 degrés. Pardon, 120 degrés. Donc, le carbone Zawij, ou tu prends le wahda pur, hein? Vous voyez, tu prends le wahda pur. Donc, le carbone Zawij, c'est le carbone lourd. Le carbone Zawij, il est là. Donc, on a une orbitale Hakba, une orbitale Hakba et une orbitale Hakba. Donc, avec partout un électron. C'est le carbone Zawij. Où est-ce que tu as une orbitale P, je vais la dessiner bleu vert, une orbitale P, tu as pure. C'est une P pure. Refda aussi un électron. D'accord? Où est-ce il sera un recouvrement latéral. Recouvrement latéral. Axial, pardon, mon Dieu. Axial, avec un. Donc, il forme une liaison sigma. Recouvrement axial. D'accord? En fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vous rappelle la molécule, hein, parce que Kirakouhaka est en train de suivre. Peut-être que vous avez oublié qu'il s'agissait de cette molécule-là. CH3COH, correctement. Donc, trois liaisons H ici. D'accord? Une double liaison avec O et une liaison H. C'est le carbone lourd, c'est le carbone zéro, c'est l'oxygène. Donc, ça veut dire que là, qu'il y a un hydrogène rahidji. D'accord? Ici. Il dit l'oxygène. L'oxygène, où je peux l'oxygène, donc l'oxygène, il est comme ça. L'oxygène a 8 électrons, donc NS2, 2S2 et 2P4. D'accord? Donc, on va avoir la chose suivante. 2S2P, d'accord? 2S2P, 1, 2, 3 et 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc, là, l'oxygène, où je connais on a l'oxygène, il est hybridé SP2. L'oxygène, il est hybridé SP2. Donc, il va mélanger S avec 2P. Comme tout à l'heure, il a mélangé trois orbitales atomiques. Donc, il y a trois orbitales hybrides SP2. Géométrie plane avec des angles de 120 degrés. Donc, l'oxygène Heiji maintenant. Ou tu prends le wahda pur, hein? Tu prends le wahda pur qui n'a pas été hybridé. L'oxygène Heiji maintenant. Donc, qui m'a le carbone à peu près, mais je vais le dessiner en bleu, d'accord? Donc, ando trois orbitales. Voilà, hakda. Avec كل واحدة فيهم عندها un électron, d'accord? Trois orbitales. Là, là, ماشي كل واحدة فيهم. Donc, واحدة رافدة زوج, واحدة رافدة زوج, il faut voir ça. واحدة رافدة زوج, واحدة رافدة زوج, واحدة رافدة واحد. Ou il prend une orbitale P. Pur, refda un électron. Tu as toujours les cases quantiques. Tu vois, wahda refda zouj, hahi. Wahda refda encore deux électrons, hahi. Wahda hybride, refda un électron, hahi. Ou tu as la P pure, refda un électron. Alors, il sera un recouvrement axial ici, où tu as une liaison sigma, d'accord? Ou il sera ce qu'on appelle un recouvrement latéral ou tintejali la liaison pi. Vous voyez la liaison sigma ou la liaison pi. D'accord? Donc, et c'est comme ça qu'on construit la molécule où il y a les deux doublés, les canaux, ces deux doublés, ils sont là. D'accord? Très bien. Bon, là, on ne va pas représenter les molécules parce qu'on n'aura pas la possibilité de le faire vu le type de sujet qu'on va faire. Donc, il s'agit d'un QCS ou un QCM. Mais quand même, c'est bon de le savoir. Dis-vous l'exercice 5.
Alors, dans l'exercice 5, voilà, donc c'est bon, j'ai le bon partage. Donc, dans l'exercice 5, on a différentes liaisons. Hein? Je vous ai donné pour chaque atome l'électronégativité, le fluor 4, l'hydrogène 2,2, le chlore 3,1 et le potassium 0,8. On vous demande de prévoir le caractère ionique, polaire ou covalent des liaisons, des molécules KF, HF, KCl, HCl et HH. Et on vous demande de calculer le pourcentage ionique et le pourcentage covalent dans ces molécules. D'accord ? Pour calculer le pourcentage, on vous a donné dans le tableau la longueur de la liaison et le moment dipolaire expérimental qui est en 2 bails. D'accord ? Moment dipolaire expérimental qui est en 2 bails. Avant d'arriver à ça, on va discuter le caractère ionique. Je crois que dans le cours, on a dit qu'on a mis 0,4 et 1,7. D'accord ? On a au-delà, c'est ionique. 0,4, c'est covalent. Ou là, c'est un caractère polaire. D'accord ? La liaison, elle est polaire. Donc là, on a précisé, d'accord ? Pour 1,7, qui compte pour 2, c'est le caractère ionique qui est prédominant. D'accord ? C'est le caractère ionique. Alors, ce n'est pas qu'elle, c'est taht. Ce n'est pas plus grand, c'est plus petit. Qui compte la différence d'électronégativité inférieure à 1,7, le caractère covalent qui prédomine, d'accord ? Surtout, il a canet taht l'1. D'accord ? Maintenant, il a taht 0,4, la liaison, elle est dite covalente, qui m'a qu'on a tout à l'heure. Maintenant, entre 1 et 2, la liaison, elle est polaire, d'accord ? Et au-delà de 2,5, la liaison, elle est 100% ionique, d'accord ? D'accord ? Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire ? Mettez-le pour KF, la différence d'électronégativité est de 3,2, donc c'est le caractère ionique. Qui te compte la différence d'électronégativité pour 2,5, d'accord ? Le caractère est ionique. D'accord ? La différence d'électronégativité KCl est de 2,3. D'accord ? Il y a un caractère ionique, mais il est moins marqué. D'accord ? Il est moins marqué parce qu'on a 3,2. On a c'est 2,3. On est toujours supérieur à 2, mais le caractère ionique, il est moins que dans le cas ici. HF, la différence d'électronégativité est 1,8. La liaison, elle est polaire. D'accord ? Pour HCl, c'est 0,9. La liaison, elle est polaire, mais moins marquée. D'accord ? Et pour HH, c'est 0. La liaison, elle est covalente pure. D'accord ? On arrive maintenant au caractère ionique. Pourcentage, c'est le caractère ionique. Très bien. Donc, je reviens vers cet exercice. D'accord ? Donc, il faut savoir que pour calculer le pourcentage ionique, Haïlik, la relation. Notre objectif maintenant, c'est de calculer le pourcentage ionique. C'est mu expérimental sur mu théorique divisé par 100. Où je mets la relation ? Parce que le moment dipolaire, d'abord, il faut savoir un moment dipolaire. Le moment dipolaire, c'est la charge fois la distance. Azm, thunaï, al-qutb. La charge fois la distance, Haïlik. D'accord ? Alors, la charge heavy fait une molécule, c'est quoi ? C'est quoi la molécule ? Elle est kinkoul mefelen. Kinkoul mefelen, NaCl, la molécule NaCl. Na plus, Cl moins. Ou je mets Na plus Cl moins. Ça veut dire que Na fqad électron ou Cl ktaseb avec l'électron. D'accord ? Qui te connaît une liaison comme HF ? Elle est polarisée, d'accord ? Donc, H, il va avoir une charge plus delta ou Hava moins delta, d'accord ? Donc, ça veut dire que H met de l'électron, même de l'électron ou F met de, d'accord ? C'est une polarisation. Qui n'écrit NaCl, ça veut dire plus moins, d'accord ? Donc, la charge, il y a delta fois l'électron, fois la distance. D'accord ? Il y a delta
تساوي واحد. داكور؟ واش تولي عندي؟ تولي لا شارج تساوي E كما رانا في هذا الحالة. لا شارج تساوي E سافي دير NA فقد الإلكترو و سيال الده. إذا كانت دلتا تساوي صفر سافي دير كو لا موليكول ألي كوفالانت كما HH كما FF لا موليكول ألي كوفالانت. سافي دير كو دلتا هذا يكون أكبر من صفر وأصغر من واحد. في هذه الحالة لاليزون هذه تكون بولاريزي. لاليزون تكون بولاريزي. داكو؟ نعاود نرجع هنا. نعاود نرجع هنا. ألوغ كي نقول المومون ديبولار تيوريك أنا واش راني نحسب؟ Attendez, je vais effacer tout ça. أنا واش راني نحسب؟ راني نحسب لو بورسانتاج يونيك. يعني نفرض لو بورسانتاج تيوريك. لو بورسانتاج تيوريك واش هو؟ لو بورسانتاج تيوريك كي تكون 100% يونيك. هذا هو التيوريك. D'accord ? Ou l'expérimental, ou celui qui est mesuré. D'accord ? Qui te compte 100% ionique. Ou je crois que ça veut dire delta est égal à 1. Donc, le moment, il compte E fois D. Qui m'a NaCl. Elle est à 100% ionique. D'accord ? Na, Na, mid l'électron, ta ou Cl, ta. D'accord ? Il n'y a pas une polarisation. Ça y est, واحد tel électron, l'autre, il est sans son électron. Donc, delta est égal à, qui te compte 100% ionique, delta est égal à 100% ionique, delta est égal à 1. Qui te compte 100% covalente, delta est égal à 0. Mais bien sûr, la liaison, elle est polaire. D'accord ? Et nous allons savoir à quel pourcent elle est, à quel pourcentage elle est polaire. D'accord ? Donc, E fois D, alors, quand je dis E fois D, l'électron, je la charge terre, c'est 1,6 10 puissance moins 19 fois la distance. Ne faites la distance, il y a 1 angstrom. Ne faites pas. Je les calculs, c'est tout. Ne faites la distance, c'est 1 angstrom. Ne faites pas l'angstrom. Ne faites pas le mètre. Comme d'ailleurs, nous faisons dans le système international, c'est-à-dire les longueurs par mètre, la masse par kilogramme, et ainsi de suite. Donc, c'est 1 10 puissance moins 10. Tout le monde est 1,6 10 puissance moins 29. Ben, nous avons le 2 by. Ben, nous avons le 2 by. Ou je laisse me dire. Nous avons le 2 by. Donc, 1 2 by, c'est 1 2 by. Donc, 1 2 by, c'est 3,3 10 puissance moins 30. Ça chauffe le cours, voilà. C'est 3,33 10 puissance moins 30. Moins 30. D'accord? C'est pas moins 33. C'est 1,6. C'est moins 30. Voilà, c'est 3,33 10 puissance moins 30. Donc, vous corrigez ça. Parce que là, j'ai corrigé. Donc, le 2 by. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant? Aïwa, naqsem 1,6 10 puissance moins 29 sur 3,3 10 puissance moins 30, naqsem ha tatene 4,8 de bay. C'est-à-dire, Na, le E, je fais le E fois 1 angstrom, kharjli 4,8 de bay. Donc, Na, bech naqsem le moment dipolaire théorique, ou yukhrujli en 2 by, mais il y a 4,8 fois la distance, avec la distance nakhodra en angstrom. D'accord? Donc, c'était juste pour un peu simplifier les calculs. Ok, on est kinji nahseb le pourcentage ionique. Ou je ne dis? Naqsem l'expérimental. Haoulik l'expérimental. Naqsem mu expérimental. D'accord ? Elle est maintenant
elle a 4,8 fois la distance qui est en angström, tout simplement. D'accord ? 4,8 qui est en angström, c'est tout. هذا الحساب علاش درتو؟ هي كنت قادرة كنت قادرة نخلي كلش en coulomb متر كلش en coulomb متر coulomb fois le mètre parce que كي نقول électron fois distance ça veut dire coulomb fois mètre. كنا قادرين نخليو كلش en coulomb متر et dans ce cas ما نحولش l'aile de bail ولا والو donc c'est pas faux hein? C'est correct sauf qu'ici le moment expérimental en deux bails, نحولو le coulomb mètre d'accord. وهنا le moment dipolaire théorique théorique هذا منين جبناه هذا منين جبناه théorique هذا ضربنا 4,8 fois la distance d'accord fois la distance c'est tout donc تحبوا تتحققوا هذا منين جبناه هذا منين حسبناه ضربنا كيما درنا هنا هاي 4,8 ضربناها في لا ديستانس اون اكستريم خرجنا فيها كنا قادرين نخليو كلش اون كولون متر مي سا اوغي كومبليكي لي شوز هنا سي جوست باش نسهل لو كالكول لو بورسانتاج يونيك نقسم ليكسبيريمونتال على التيوريك داكور دونك كيفاه نخرجوا دلتا داكور كيفاه نخرجوا دلتا دونك جو في فو دير كيفاه نخرجوا دلتا الوغ باش نخرج دلتا جو فو رابيل كو لو بورسانتاج سي كوا C'est mu expérimental. Ou je n'ai pas expérimental. Expérimental ou delta fois E fois la distance. D'accord ? Sur quoi ? Sur le théorique. Ou je n'ai pas E fois D. D'accord ? Le tout multiplié par 100. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. D'accord ? Donc, qui va changer delta ? Fakat, naqsim, le pourcentage ionique. نقسمو على 100 pourcentage ionique على 100 شكو تلاحظ هاو لو pourcentage ionique 92,4 نقسمو على 100 0,924 78,8 نقسمو على 100 0,788 d'accord donc il faut se rappeler que le moment théorique c'est 4,8 hein, fois la distance en angström où je t'imedli moment dipolaire راهو en 2 pi إذا حبيت نخليه en coulomètre خليه coulomètre c'est la charge fois la distance la charge en coulomb la distance en mètre donc je viens de me rappeler بلي هنا كي كنا نحلو في هذا التمرين ما pardon ما قلناش si la molécule elle est paramagnétique ou la diamagnétique bon je pense que c'est quelque chose d'évident mais معليش donc la molécule وقتاش تكون paramagnétique وقتاش تكون diamagnétique اذا كانوا كاع les électrons appariés نقولوا عليها elle est diamagnétique كيما هنا راهم كامل زوج بزوج ils sont tous appariés donc هذه elle est diamagnétique هذه elle est paramagnétique parce que كاين un électron célibataire paramagnétique وهذه ثانية elle est paramagnétique parce que عندي un électron célibataire paramagnétique. D'accord ? Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que vous avez compris. Et voilà, c'est terminé.